this dude King Julian style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi après-midi pour un petit samedi gaming spécial. Et oui, on va être sur une petite découverte au passage. Et ce sera sur Hitman A World of Assassination. Alors je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de développement et d'édition IO Interactive de m'avoir gentiment fourni et offert une petite clé pour faire découvrir tout cela. Donc ce petit jeu est sorti le 20 janvier 2023, alors sachant que dans World Assassination, vous avez Hitman 3 et la possibilité d'accéder à Hitman 1 et 2. Donc la première partie de The World Assassination est au prix de 29,99€. Hitman World Assassination est au prix de 69,99€. Petit jeu qui joue en solo, comme vous le savez. Il y a du français et d'autres langues. Il y a aussi une partie qui est prise en charge au niveau de la VR. Alors, fut un temps, c'était une exclue sur PS4. C'était sûrement une exclue temporaire, donc elle est maintenant disponible sur PC. Nous, on est via Steam. Alors j'espère que la musique par contre n'est pas trop forte. Donc dans Hitman World Assassination, entrez dans le monde de l'assassinat ultime. Hitman, le monde de l'assassinat, regroupe le meilleur de Hitman, Hitman 2, Hitman 3, y compris la campagne principale, les modes contrat, escalade, cible fugitif et freelance. Le mode de jeu inspiré du genre roguelike. Et bah écoutez, on va se lancer tout de suite dans le bain et découvrir tout cela. Sachant qu'on avait commencé un petit let's play sur Hitman, premier du nom. J'ai le 2, mais j'ai toujours pas commencé. Et là, maintenant, on a le 3. Donc, il y a pas mal de choses à voir. On va pas perdre de temps. C'est parti. Ok, les jeunes. Nous voici, nous voilà sur l'écran d'accueil. Je vais appuyer sur Enter. On va se connecter à tout ça. Donc, nouveau contenu. Vous avez débloqué le costume noir d'hiver. Ok. Alors je m'étais connecté tout à l'heure une première fois pour voir si tout allait bien, sachant que je passe par GeForce Now, donc j'ai fait quelques petits réglages et tout. On profite d'une 3080 RTX, écoutez, version numérique pour optimiser tout ça. Donc cette récompense a été rajoutée à votre inventaire afin de vous remercier pour avoir joué à n'importe quel contrat de type cible fugitif et elle peut être utilisée immédiatement. Nous espérons que vous apprécierez Hitman 3. Écoutez, ouais, hein. Donc contenu gratuit, temps imparti, ok, play for free. On va partir de là, les jeunes. Donc là, il y aura les campagnes. En sachant que quand j'ai relancé le jeu, je me suis refaci vite fait le prologue. Donc voilà, par contre, je sais pas si ma progression sur Hitman sera prise en compte. On en avait déjà fait pas mal et ça se trouve, je vais devoir tout me refarcir en partant d'ici. Sachant que j'ai voulu réinstaller aussi Hitman tout court. Et je sais plus sur quel fichier, enfin sur quel disque dur je l'avais installé de base sur mon PC. Et je vois que là, il y en a qu'on n'avait pas fait encore. J'ai peut-être un peu loin. Je crois qu'on s'est arrêté. On en était autour de la... Bah, la fête, on avait fait pas mal et compagnie. J'avais fait quelques missions, là, il me semble aussi. Mais c'est tout. Nous, on va repartir en mode campagne. On va aller ici. Précédemment, je vais peut-être éviter de mode spoil entre la fin du 1 et du 2. Et ce qui nous amène là, on va essayer de se faire une petite mission à Dubaï. Donc sur le toit du monde. On va sélectionner tout ça. Faisons-nous le petit briefing et après on va partir. Hein. On voit nos cibles aussi. Donc plan bien huilé. Look closer. In the shadows. J'aurais bien testé une mission snipe aussi après, je sais pas si on va avoir le temps, mais bon. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away. To do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the constant,
Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 37. It's time. Okay. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. C'est la même voix que dans... The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. J'avais déjà fait la réflexion quand on était sur Hitman 1. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Okay, on a dossier. Today, Carl Ingram et Marcus Stuyvesant. Happy hunting. Alors je sais que sur le premier, j'essayais de faire toutes les missions possible et inimaginable sur chaque chaque scénario, sur chaque mission. Et c'est pour ça qu'on avançait peut-être pas non plus trop. Je vous avais proposé aussi si on zappait et qu'on passait directement à la suite, mais faudrait qu'on y retourne et qu'on voit où on en était. Mais bon, après, si je dois me retaper Hitman 1 depuis le début, faudrait que je vois via mon en relançant tout court, voir si avec le cloud, en passant par GeForce Now, j'ai quand même accès à ma sauvegarde. Donc conditions d'assassinat, renseignement, entrée, machin et compagnie. Bon, je vous laisse le soin de tout lire la fiche du monsieur là. Méthode au choix, déguisement au choix, ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Donc recrue, difficulté recrue, ok. On va y aller en mode normal déjà. Non. Objectif, machin, ils sont là. Préparatif, objet de contrebande. Est-ce que je peux? Non, j'ai rien, tout est coincé. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Ce sera débloqué si j'y arrive. Déguisement choisi selon le lieu de départ. Ouais, bon, de toute façon, là j'ai pas trop le choix. Faut qu'on décolle. Donc ça c'est fait, machin, et puis à jouer, hein. Welcome to Dubai, 47. Merci. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Ok. Ça va directement à moi.
Ah, donc non disponible et tout machin et compagnie. Ok, j'ai pas de choix. 47. Come in, 47. Do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Je sais pas si je vais devoir repartir avec mon équipement après pour sauter. Je sais pas si je pourrais même faire un saut dans le vide direct là, mais bon. On va éviter. Je sais pas si je dois. Ah ouais. Alors j'ai rien rebindé comme touche et tout. Je pars un peu comme ça à la Roll Again Beach to Fly. Ok, la caisse à outils, je suis bien fait tomber. X pour utiliser. Ok, on va devoir aller dans la nacelle et descendre plus bas. X pour escalader, ça devrait se faire. Attends, je pourrais sauter normalement directement. Ah, ok, donc là je sais qu'il y a un nouveau gadget à utiliser. Ouais. Tu me proposes ou pas? Ah, putain, faut que j'aille chercher sur I. Donc là, le téléphone il est ici. Hop, 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 utiliser. Faire un tour, merci. Franchir. Ok, je sais pas si j'aurais pu descendre plus bas. Est-ce qu'on peut utiliser le boîtier, utiliser l'appareil photo? Non, mais est-ce qu'on aurait pu faire descendre le machin là? Je peux utiliser l'appareil photo. I, inventaire. Il y a moyen d'avoir les mains vides. Franchir. Mais ouais, non, je voulais essayer de faire descendre. Genre, relève-toi. On peut juste franchir, quoi. Ah, vas-y. Donc là, on est sûrement dans le système de ventilation. 47, l'inauguration est en place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. J'aimerais bien avoir les mains vides aussi, ce serait pas mal. Je sais pas comment me libérer les mains, les jeunes. Et parce que si je me trimballe avec mon truc tout le long là, j'ai pas fini. Y a pas moyen de gauler un costume? Ah, j'ai vu la vidéo de Chichoune, c'est en ouvrant le rideau, on va changer automatiquement en passant derrière. C'est génial. Par contre, ouais, j'espère que j'ai plus. Ah, si, j'ai toujours mon truc à la main. Ok. Ah, je peux courir, machin et compagnie. Mais ranger un item. Merde. Prendre. Je fais comment pour vider mes poches là? Ouais, si j'appuie sur tab, c'est pour le poser, mais lâcher l'objet, choisir. Non, mais je veux genre. Au pire des cas, je me promène avec mon appareil photo, ce sera moins craignos que d'avoir. Ouais, je prends une jolie photo. Vas-y, annuler. Après, il y a moyen de conserver. Masquer le menu, machin, naviguer. Ok. Je prends une petite bouteille d'eau. On a brochure. Et est-ce que si je vais dans mon inventaire... Non, je peux pas tenir la brochure à la main. Alors, par contre, je suis en retard. Ce serait bien que je me dépêche. Là, il y a l'ascenseur. J'ai pas de minimap. Ouais, machin. Faut a priori une carte pour laisser passer. Écoutez, je vais aller gauler l'ascenseur. Hein. Bon, t'as la tente encore devant, donc est-ce que je peux. Je peux pas utiliser un ascenseur. Et vous voulez me faire franchir ça, je vais peut-être éviter de tomber. Ouais, on voit que la carte elle est non disponible. Attendez, les escaliers, je peux monter sinon. Je prends la tête avec ces ascenseurs, mais faut que j'aille ici. Je peux prendre une petite coupe. Même pas. Ah, le soleil, il m'éblouit. Je suis pas censé avoir l'œil du faucon là pour voir les ennemis. Je sais pas si celui qui faisait son discours on doit l'assassiner ou pas, mais bon, on va essayer de se promener et essayer de trouver la carte. Not bad. Not bad at all.
c'est les toilettes. Je suis pas allé aux toilettes, les jeunes. On va faire déborder, machin, compagnie. Lui, je vais éviter de le taper. Je peux pas déverrouiller la porte. Et maintenant, il est devant. J'ai peut-être évité de m'amuser à faire du cliquetis pour rien. Modifier le panneau de contrôle des toilettes. Ok. Ok, ok. Bon, on va essayer d'être sage. Et on va essayer de trouver une solution. Est-ce que je peux me promener par là? Ouais, je me fais pas attaquer. Faut que j'arrive à trouver un moyen. Alors déjà, on va avoir des infos. Je peux genre m'asseoir. I should have clearance. The name is Zaina Kazee. Sir, I understand. But you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know why this is happening. And I have an idea. But it requires you finding a map terminal. Ok, il faut trouver un terminal pour la carte. Si je fais F1. Homme d'intérêt, un homme à l'air suspect et à rendez-vous avec l'assistante personnelle du machin. Ok, inventaire. La brochure. Brochure, machin et compagnie. Ok. Bon, les défis, on va éviter de se spoil, les jeunes. Et renseignement. Et la brochure. Ok. Est-ce que je peux passer par ici sans alerter personne? Non, je sens ça. Ok, ok. Ok, je peux pas passer par là et par ici. Est-ce que je peux aller me promener par ici? Je peux pas prendre l'ascenseur et si je redescends, ça va peut-être pas m'aider là. Est-ce qu'il faut que je passe par une fenêtre pour accéder dehors? Je ne sais point. Maintenance. Les gardes juste à côté, peut-être éviter. Ça se trouve là. Je sais pas si c'est le truc de sécurité. Déclencher l'alarme incendie, on va peut-être éviter. Il y a du people à côté. On peut peut-être aller vers le balcon. Prendre l'appel, on va éviter, franchir. Je sais pas si ça va alerter. Ok. J'ai peut-être cru que j'allais me suicider, mais bon, il faut que j'escalade là-bas maintenant. Allez, mazette. On va escalader. Utiliser, se suspendre, j'aurais peut-être pu monter peut-être beaucoup plus haut encore. Vas-y, hop. Ah ouais, c'est en appuyant sur le contrôle que je fais apparaître les bousins là. Non, faut que j'évite de me faire repérer. Ils ont les mêmes tenues que dans le staff qu'il y avait dans le premier qui faisait les événements. Là, elle va être sur l'ordi. Je sais pas si je pourrais passer tranquille ou derrière, mais il y aurait un. Ouais, à ton avis, on va peut-être éviter de la ramasser. Ok, elle part. Mais je peux pas avoir accès à son ordi parce qu'en scannant, non, je peux pas choper d'infos là-haut. Faut pas qu'il me voit. X, vite. Je sais pas si quelqu'un à la porte là s'ouvre. On va éviter de se faire repérer. On va prendre. Insérer le fusible.
fusible manquant. Briser le socle. J'ai personne à tôt en dessous. Après, sinon, il faudrait que j'arrive à choper une tenue de... une tenue de responsable. Je sais pas si je peux sauvegarder à tout moment, d'ailleurs. Est-ce que je peux me faire une petite sauvegarde, les jeunes? Charger, sauvegarder. Voilà. Alors, c'est quoi, ça? Forcer la sécurité. Fusible manquant. Ok. Alors, je sais pas, est-ce que j'aurais pu récupérer le fusible qu'il y avait en haut? Ah, se camoufler. Je peux pas. En technicien, machin et compagnie. Et là, il y aura un tournevis par terre. Putain, il n'y a pas une molette là pour changer de ce qu'on a dans les mains. Si à chaque fois il faut que je passe par l'inventaire, j'ai pas fini. Hein. Ok, je vais repasser par là et je vais aller vérifier. Je peux partir un fusible sur le boîtier là. Ah, fusible manquant. Putain, mais je suis coin souillé là. Je suis coin souillé. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres passages en dessous. Après, je peux peut-être essayer de me promener par ici. On peut cacher du monde. Et est-ce que... rebord. Vas-y, on va avancer comme ça tout doucement. On va éviter de se faire repérer par ceux qui sont en bas. Ouais, non, c'est une cage, enfin c'est une caisse, un fly case pour ranger des trucs là. On va passer de ce côté. Yeah, I just want to remind you about the lockdown drill tomorrow. That's right, 900 hours. And the key cards to activate the alarm are still in the safe in the security room. Ah ouais, c'est au-dessus. Yeah, same code. 6927. Just don't tell your mother I have to shoot. Okay. On a chopé un code là, non? Okay, but remember. You need to activate the alarm on both floors, otherwise nothing's gonna happen. Je sais pas si je vais me faire griller si je passe par là, quoi. Have a good shift tomorrow. Talk to you later. Bye. Ok. Protocole d'évacuation. Pour déclencher le protocole d'évacuation, deux cartes d'accès doivent être activées au dernier étage pour éviter toute fausse alarme. Ok. Et lui, il part. Donc maintenant, je peux peut-être traverser. Ça commence à être compliqué, là. Je sais même pas où sont situées mes cibles. Et donc tant que j'ai pas trouvé, je peux peut-être franchir. Là il y aurait la régie machin et compagnie. Mais si je franchis. Bon pour moi. Lucy will. She'll flip. She demands perfection. I told you this was a problem this morning. You haven't told her yet. I tried. But this is her day. It's her biggest exhibition yet. I don't really blame her for being a little preoccupied with all the glitz and glamour. Yeah, we all set out eventually. Well, just make sure we don't ballast everything, okay? Okay, prise de commande. Delora, l'assistante de Lucy Phillips, est arrivée pour prendre en charge l'organisation de la galerie d'art. La réussite de l'événement ne semble maintenant plus que tenir qu'à un fusible. Un fusible dont j'ai besoin. Là, je suis un petit peu gêné. Là, il y aura un pied de biche, mais bon, voilà. Ah, et peut-être qu'en faisant ça, je peux peut-être repérer mes cibles. Alors, il y en a une qui serait là. Et qui serait en bas. Et en haut. En haut, je ne vois personne aller là. Ok. C'est quand ils veulent qu'ils bougent. Je sais pas s'il y aurait des trucs à soutirer. Et là, il y a un truc derrière le ventilo. Je sais pas ce que c'est. Qui brillote. On dirait une bonbonne d'eau. Je sais pas ce que je peux faire avec, si je peux la faire fuir ou pas, mais ils ont pas l'air de bouger, mais
Et puis je peux pas passer par là, à part faire tomber un truc. Alors faut que, limite elle se tourne, que j'ai le temps de passer, mais... dégager le fil. Ah ouais, je peux créer un petit court jus. Il n'y a rien à prendre. Non. Oh merde. Je me rends. You know, you are really annoying. Ok, je suis compromis. Ah, chargé, mauvaise idée. Alors, on va se dire que c'est celle-là, la dernière, vas-y, confirmé. Ok, je suis repaumé ici. Je vais me dépêcher de passer. Je vais juste faire ça pour le coup. On va attendre pour le reste. On verra quand on pourra. Je vais essayer de passer par ici. Éteindre. Boîte à fusibles. Ouais, entrez. Comme j'ai pas la map, je sais pas si. Je pensais que j'allais récupérer un fusible, moi, mais. Faut que je trouve une tenue pour me déguiser là. Je serais moins embêté. Ok, là, ça me ramène dehors. Là, c'est la galerie. Bon, on va attendre qu'il soit passé là. Oula, oula. Il n'y a pas un uniforme comme ça là, un vestiaire. Là, il y aurait une échelle, mais ça me ramène. Je sais pas s'il va se pointer. Faut soit une tenue de garde, soit une tenue de mec qui organise la soirée. Là. Est-ce que je sors? Je prends un risque. Ah merde. Il y aurait une info juste à côté à prendre. Je sais pas si lui va me créer des ennuis là. Il va me créer des ennuis. Ouais, on va faire ça comme ça. Ouais, maîtriser. Ah. B. Pas une boîte légère. Oula, oula, oula. Est-ce qu'il y a mon plan agent machin et tout, je vais le foutre dedans. Ah, caméléon, allez. On va ramasser ça. Je vais peut-être éviter de le garder dans les mains par contre.
Putain, avoir les mains vides, c'est juste pas possible, quoi. Je vais aller voir la touche. Ok, c'est le bouton de ma souris ou H. Y aurait une info à prendre juste à côté. Je sais pas si en passant par ici, bah c'est la sécurité. I got word that he entered the building, but he hasn't reported for duty yet. Probably still down at the depot, getting his uniform. I just hope he's got his papers with him. I heard rumors that he used to work for that Dawood Rangan. You know, the Bollywood producer who died? Doesn't sound promising. No, it doesn't. Ok, bon, déjà il me repère pas. Ça va peut-être éviter de le prendre. Stuyvesant is expecting a replacement guard. If you can locate him, we should be able to get within strangling distance of the little worm. Stuyvesant attend un nouveau garde. Si tu arrives à le trouver, on pourra s'approcher suffisamment pour étrangler cette petite fouinaise. Cette petite fouinasse. Ok. Je suis pas rendu infiltrer la zone réservée au personnel. J'ai eu de la chance que le garde il me grille pas. Il y aurait aucune info juste en dessous. On va aller voir, mais ah bon. Je suis pas rendu comme ça. Éteindre, non. Trouver la recrue manquante. Putain, 25 mètres les jeunes. Ok, j'arrive dans la cuisine. Changing room, juste à côté. Prendre un muffin à la myrtille. Ah mais je le garde dans la main. Si je fais H, non je le range. Pas un peu de morora ou... Ah ouais, je crois qu'il y avait un truc sur le chariot de ménage là. On se trouve c'était peut-être juste pour... Bon je prends la canette au cas où aussi mais bon. La poêle j'ai évité de la prendre. Ça aussi. Ok, l'autre il se pose des questions. Eh oh, je suis de la sécurité, je vérifie si tout va bien. Look, this is gonna make me look really bad. I'm sure it's around here somewhere. Don't you worry. A colleague is also out there looking. But this is awful. I mean, I'm in my boxers and... Présentez-vous au poste de sécurité. Les ordres de la nouvelle recrue. Document détaillant les affectations antérieures de la nouvelle recrue en tant que garde du corps, ainsi que de ses fonctions et son ordre de se présenter à la tour. Il a déjà travaillé pour Dawood Rangan, un producteur bollywoodien récemment décédé. Il a rapidement fait mention également d'un signe de scout en lien avec l'argenterie. Je sais pas si je peux y aller avec cette tenue ou... Ok, bon, faut que je me présente là-bas, on va y aller. Hein. On n'est pas rendu. Ah merde, c'est au-dessus. Ok, me voilà. J'ai arrivé à l'annoncer, c'est peut-être mieux que étrangler. Our client has been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified. So, you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Ok, code Pinky. Attendez Marcus au poste de sécurité. Je peux m'asseoir quelque part? Sir, ou... this is security. Just calling to let you know your new guard is finally... Boss? Seems pretty interesting. Yes, sir. See you soon. Bon, je fais un petit tour en okay. Attendant les gens.
Ok, bon, j'ai pas trop le droit de me promener, c'est ça. Ah, il est là. Right there. Okay. That's Marcus Stuyvesant, Providence partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage to the world than you could dream. Looking good today, sir. Donnez vos ordres, ok. Good. Oh, you worked for Darwood Rangan. Hope you weren't there on the day of his tragic death. Okay, this all looks very good. Come on, let's walk. Need to tell you a bit about what I expect from you. Bon, on va essayer de le maîtriser. Maintenant, faut que je suive sur le balcon. Unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important, delicate meeting today, in which I expect you to keep your ears closed, exactement, but your eyes wide open. Your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, tous dès qu'on bouscule, ils s'arrêtent. Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Non, j'aurais pu l'électrocuter ici. J'ai toujours pas la map, hein. Je suis allé au pôle sécurité, mais bon. Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. With a knife? No. That's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I want to see your skills. I don't know why, but I've always trusted a man. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me what you got. Do well and you work for me. Fail, you get out of here, and I never want to see your face again. Let's just hope he's half as good as you are. Only time will tell. But I doubt you, cocky. Look at that! Not bad at all. T'as quoi là avec ta cible? Mais. Le truc là, il veut pas se lancer. Mais t'es sérieux ou quoi? Jette-le le couteau. Ah merde! You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Merde. Ok, on est de retour. Vous voyez, n'importe quel idiot peut tirer sur les cibles et machin et compagnie. C'est là qu'on reconnaît un vrai talent. Bon, j'ai pas compris pourquoi le dernier n'était pas passé. Je sais pas comment. Sur les confiances, machin et compagnie. On va essayer de faire gaffe là. Montre-moi ce que vous avez. Je sais pas pourquoi le dernier ça va pas. C'est genre le dernier, faut que je me loupe. Mais si je me fais shooter à la fin, ça sert à rien, les jeunes. Recommencer la mission. Ok, on est de retour ici. I have very high standards, in
Je vais essayer de maîtriser l'autre garde pour pas qu'il nous suive et mais bon, ça va être compliqué. Vas-y, tiens, je te file vite les papiers. Lui, faut que j'arrive à le maîtriser, que je le planque dans le couloir. Ça va être compliqué, hein. Surtout avec lui à côté, mais bon. Et on se retrouve en haut. Hein. Je comprends pourquoi la dernière cible, je peux pas l'avoir, parce que le couteau, faut que je lui plante dedans, mais l'autre, il me grille, donc... il faut que je m'en débarrasse. Ok. Bon, j'ai réussi à le cacher. Et il me reste 4 minutes. Je lui balance un couteau en rouge, jamais. Bon, on se retrouve quand j'y suis. Hein. La prochaine fois, on essaiera de l'électrocuter. J'espère qu'il va quand même sortir les couteaux. Parce que s'il fallait l'autre pour les sortir. Sympa pour les gens qui sont tout en bas. Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. Déplacer. We're not done yet. You've gained his trust. What to do with all that power? Ok. Ah, écoutez, ça c'est fait. On va prendre les papiers. Et bah, je vais monter en haut, tiens. Alors, je sais pas où être planqué. Bah, mon autre cible, elle est en haut. Alors, on va essayer de faire ça, fissa. Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est une zone d'extraction, mais... on te sent pas obligé de... t'accroupir. Faut que j'arrive à aller voir l'autre, là. Ok. J'ai découvert la security room, il y en a un qui pionce. Dépêche-toi. Vas-y B. G. Comme ça je vais pouvoir monter en haut. Ok, ça c'est fait, je prends tout l'hygiène. Je prends la banane. Je ne vais pas rester longtemps ici. Maintenant, je peux passer par là. Vu qu'on a le même costume. Et je sais pas si l'autre, j'aurais pu le faire chuter avec une peau de banane. Je sais pas s'il va passer par ici, mais glisser, mais... Et il est encore à l'étage au-dessus. Ok. J'ai perdu ma cible de vue, me dites pas qu'elle est descendue. Elle est là. Sauf que... J'ai Polychinelle qui s'est posé juste à côté. Et je vais avoir besoin de passer, mais il faut que j'attende qu'elle se barre l'autre. Je sais pas s'il y aura un autre escalier. Ok, bon, le garde il a bougé. Je vais en profiter pour passer rapidement. Donc,
sir. Et ma cible est juste là. Carl Ingram, Providence partner and brass balls billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Just keep calm. Might as well make me another. Si le truc je le lâche, je suis foutu quoi. On va essayer de le suivre. Hein. Ah, ma peau de banane là, elle me manque. Je sais pas comment on peut poser une peau de banane. Je sais pas s'il faut la manger d'abord et juste déposer la peau de banane, mais ça aurait pu être sympa de le tôt comme ça. Alors je sais pas si après il va aller sous le lampadaire. Parce que ça, on peut s'en servir. Je vais attendre de voir. Ah, par contre, il y a le garde qui se pointe là. Bon, déjà, il va pas au salon. Ah, écoutez, je vais attendre qu'il se pose et je vais essayer de trouver un endroit sympatoche pour le tote. Ok, il est posé sur son bureau. Empoisonné. Ah merde. Ah, il y a ma banane. Ah, je peux la lâcher, mais... sinon, je la lâche là, hein. Ah merde, il est parti checker ma banane. Je crois qu'il va boire son verre. Sick. Oh, you need to change your grollies after that. Ah, lui, il va me gêner, là. Allez, on est dans son vomi. We got him 47. Soon there will be no more Providence. Qui est garde juste devant. Our business is done here, but it's far from over. Ok, toutes les sorties sont fermées là. Et j'en ai une à 58 mètres. On a découvert un petit. Ah bah, il y en a une juste là. Me prendre le chou, je vais sortir ici. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite découverte de World Assassination vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, que ce soit et bien sûr Hitman ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ça. Mission fort sympathique. Terminé sur le toit du monde. La mort venue d'en haut. On a débloqué pas mal de trucs là. Il y a pas mal de choses à faire ici. Hein. Putain, il en reste pas mal. Hein. C'est un truc de fou finou les jeunes. Écoutez, voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Ok, petit bilan. On passe niveau 2. Corps caché, clé obtenue. Ok, les clés, je m'en suis même pas servi. J'ai même pas eu la map. Maîtrise par destination. Ok, 3 sur 20. Rang de mission, 4, nouveau record personnel. Ouais, peut-être parce que je me suis fait détecter avec la mort aura. Et en 35 minutes,
Nouveau record personnel. Ouais, bah plutôt cool. Ah, écoutez, moi je vous laisse là. Cette fois c'est la bonne. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Ok, j'ai débloqué la cuisine juste avant ça. Et là, j'ai débloqué la boule à neige. Et une nouvelle entrée en plus. Et la prochaine fois, bon, on fera l'homme derrière le rideau. Excellent! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!